Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un bloqueur de publicité sur notre navigateur Internet. Dans un premier temps, nous allons le voir pour Chrome. Pour cela, ouvrez votre navigateur Chrome. J'arrive sur ma page d'accueil, donc qui est toujours Google, et dans celle-ci, je vais rechercher Adblock Plus. Et je peux appuyer sur la touche Entrée du clavier. La page de résultats apparaît. Je regarde toujours l'adresse URL qui se situe au-dessus du lien. Je vois qu'il est bien indiqué Adblock Plus. Je vais donc cliquer sur ce lien. L'avantage de ce bloqueur de publicité, comme son nom l'indique, et de bloquer toutes les publicités qui peuvent apparaître sur les différentes pages Internet. Quand vous arrivez sur son site Internet, vous voyez qu'il y a un gros bouton vert qui vous indique « Obtenez Adblock Plus pour Chrome ». Il a détecté le navigateur Internet que vous utilisiez. Je vais donc cliquer sur ce lien. Il m'envoie sur Chrome Web Store. Il va me suffire de cliquer sur « Ajouter à Chrome ». Vous avez une petite fenêtre qui vous demande l'autorisation d'ajouter l'extension. Je vais donc cliquer sur le bouton « Ajouter l'extension ». Remarque que ça se charge. En haut à droite, vous remarquez qu'un petit stop est apparu avec l'intitulé ABP. Votre bloqueur de publicité est donc installé. Avant de voir le résultat du blocage des publicités, vous avez au niveau du stop en haut à droite quelques petits réglages à y apporter. Pour cela, cliquez sur ce petit stop. Puis sur la petite roue crantée. Vous arrivez dans les paramètres d'Adblock Plus. Vous avez possibilité de bloquer le traçage supplémentaire. Si je clique sur le petit point d'interrogation, il va m'indiquer que c'est notamment tout ce qui est cookies tierces qui vont être bloqués. Je vous conseille de le cocher. Vous avez possibilité également de bloquer le tracking par les icônes des médias sociaux. Je vais me rendre par exemple sur le site du Parisien. Je clique sur un article. Vous remarquez que sur la gauche, je retrouve toutes les icônes de Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp. Ces petites icônes vous traquent. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de compte Facebook, Facebook enregistre l'information que vous avez consulté cet article. Et le jour où vous vous créez un compte sur Facebook, il aura donc retenu que vous avez consulté Le Parisien et plus spécialement cet article. Je retourne sur les paramètres d'Adblock Plus. Donc, pour protéger votre vie privée, il est conseillé de cocher cette case pour bloquer le tracking par les icônes des médias sociaux. Vous avez ensuite toute une partie concernant les publicités acceptables. Par défaut, les publicités acceptables sont cochées. Si vous voulez n'avoir aucune publicité, il faut décocher cette case, sinon vous continuerez à avoir des publicités. Il vous demande d'accéder à une enquête, je vais dire non merci. J'ai paramétré Adblock Plus. Si je retourne sur mon article du Parisien, je vais actualiser la page.
mon article est chargé, je remarque sur la gauche que je n'ai plus les icônes des réseaux sociaux. En haut à droite, sur le petit stop, vous avez un chiffre qui est indiqué. C'est le nombre d'éléments qui ont été bloqués. Petit inconvénient du bloqueur de pub, c'est que en utilisant un bloqueur de pub, les sites internet ne gagnent pas d'argent avec les publicités vu qu'elles ne sont pas affichées. Donc ils font la chasse à ces services-là. Il se peut, quand vous consultez un site internet, que vous ayez un gros message qui vous indique que vous utilisez un bloqueur de publicité. Si c'est le cas, cliquez sur le petit stop. Vous avez bloqué les publicités sur ce site web, donc qui reprend leparisien.fr. Il me suffit de cliquer sur le petit rond bleu pour désactiver sur ce site. Si j'actualise la page, mon arc se recharge et je retrouve bien les icônes des réseaux sociaux et je vais pouvoir retrouver des publicités. Si je retourne sur l'accueil du Parisien, donc de retour sur l'accueil du Parisien, vous remarquez que vous retrouvez des publicités. Et mon petit stop n'est plus rouge, mais il est grisé. Là, je l'ai désactivé uniquement pour le site du Parisien. Si je vais sur un autre site, il sera effectif. Là, nous avons vu l'installation pour Chrome. Nous verrons dans une autre vidéo l'installation pour Firefox et pour Edge. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Donc, on reste confinés, on reste bien chez soi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.